Salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose la recette des oranais. Alors, l'oranais est une viennoiserie originaire d'Oran, d'où l'appellation. C'est une préparation super facile et rapide à faire avec juste quelques ingrédients. Il faut juste préparer à l'avance la crème pâtissière, la réserver au frais et puis la détendre au batteur ou bien au fouet avant l'utilisation. J'ai préparé ma crème pâtissière en mélangeant avec 250 ml de lait entier, un œuf, 50 g de sucre, une cuillère à café de vanille liquide, 35 g de maïzena et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre. Une fois ces ingrédients bien mélangés, j'ai mis la casserole sur le feu et j'ai remué jusqu'à épaississement. J'ai couvert la surface au contact à l'aide de film transparent et une fois tiédi, j'ai réservé au frais. Voici nos ingrédients au complet. Une ou deux pâtes feuilletées. C'est selon le nombre de personnes. Personnellement, j'en ai utilisé deux, pur beurre. La crème pâtissière, un jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau, une boîte d'abricots au sirop bien égoutté, du sucre perlé et du sucre glace. La préparation est toute simple, il suffit de couper des carrés de la pâte feuilletée, poser comme sur l'image la crème pâtissière, mettre la moitié d'un abricot dans chaque extrémité, rabattre les deux côtés et les sceller avec un peu de jaune d'œuf allongé avec un petit peu d'eau. C'est des abricots en boîte que j'ai utilisés vu que ce n'est pas la période. Et enfin, j'ai parsemé le dessus de sucre perlé après les avoir badigeonnés de jaune d'œuf. Et dans une autre fournée, je n'ai pas mis de sucre perlé, j'ai juste badigeonné le dessus de jaune d'œuf allongé avec un peu d'eau. Four préchauffé au préalable à 180 degrés, cuisson entre 20 et 25 minutes et suivant les fours. Après leur cuisson, j'ai badigeonné les oranais d'un nappage fait à partir de confiture d'abricot, mélangé avec un petit peu d'eau et chauffé au micro-ondes. En dernier, j'ai saupoudré le dessus de sucre glace.
Notre vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée en espérant qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye!